Droit d'auteur image libre de droit par Sacha Beckerman le 18 avril 2018 à 09h18. L'affaire Jonathan serait-elle sur le point de trouver son dénouement? Le petit garçon a été enlevé en avril 2004 à Saint-Brevin-les-Pins et a été retrouvé mort plus d'un mois plus tard, selon les informations du Parisien et de BFM TV. Un tueur en série allemand de 47 ans, Martin Ney a avoué à son co-détenu qu'il avait assassiné le petit garçon. Martin Ney a été condamné en 2012 à la perpétuité pour le meurtre de trois petits garçons et plusieurs dizaines d'agressions sexuelles. Le tueur en série se serait ainsi confié à son co-détenu à la fin de l'année 2017. Ce dernier a accepté de parler et a fait une déposition, dévoile Le Parisien. Le récit des propos de Martin Ney recèle des détails que seuls quelques enquêteurs et le magistrat connaissent et qui n'ont jamais été révélés jusque-là. Nos confrères ajoutent: le tueur pédophile s'étonne même de ne pas avoir été démasqué plus tôt, car il a égaré en France son sac à dos en cuir avec des documents à l'intérieur. Le serial killer avait toujours nié jusque-là être l'auteur de ce crime odieux. Il n'a pas encore été entendu par un magistrat français. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre sont à la recherche de son sac en cuir, qui serait une preuve de sa présence dans la région au moment de la mort du petit Jonathan.